Coucou, comment ça va? Ça va bien et toi? Tu rentres du boulot, tu rentres de 10h, c'est ça? Je rentre du boulot, je viens de traverser Paris sous la pluie à vélo pour le plaisir de te rencontrer, donc ça va. Alors raconte-moi 10h, ça fait combien de temps que tu y travailles? Alors 10h, ça fait un peu plus de 7 ans que j'y travaille. J'y suis arrivé pour m'occuper de toute la partie éditoriale pour la France. Partie éditoriale que j'ai définitivement quittée l'été dernier pour m'occuper intégralement des Deezer Sessions, qui sont un programme vidéo d'artistes qui viennent enregistrer chez Deezer, majoritairement à Paris. Et sessions qui sont hebdomadaires? Sessions qui sont hebdomadaires. Ouais, le but du jeu, c'est de faire une mise en ligne d'eau avec un petit peu de relâche l'été. Hein, n'oublions pas qu'on est en France. Et puis, s'il y a vraiment un gros artiste, pouvoir faire un focus pluri-hebdomadaire. Quoi. Mais c'est une quarantaine d'artistes mis en avant chaque année. Là. Et donc du coup, c'est quoi l'idée? Pourquoi est-ce que Deezer se met vraiment fortement dans l'édito comme ça? Alors pour les sessions, pour l'édito global. Pour l'édito global, parce qu'en fait, voilà, la différence entre Deezer, Spotify, Tidal, le nouveau SoundCloud, etc., c'est que Deezer depuis longtemps propose des vrais algorithmes d'éditoriaux, des vraies réflexions, etc., journalistiques. Et du coup, derrière, vous faites aussi maintenant des vidéos. Ouais. Et l'idée de tout ça, c'est pourquoi en fait au final? C'est pour apporter plus de valeur à l'artiste? À l'expérience plus de valeur à l'artiste, ouais, plus de valeur auprès de l'utilisateur, considérant Deezer depuis son début qu'il y avait une obligation éditoriale à avoir dans la prestation, que le simple référencement d'album n'était pas satisfaisant pour l'utilisateur, pour l'abonné, et que c'était absolument pas forcer la main ni l'écoute que de mettre des recommandations éditoriales multigenres, que ce soit des artistes émergents ou des gros noms. Mais que c'était une prestation qui ne pouvait pas nuire, quoi. Et puis on a vu en tout clic que de toute façon c'était quelque chose qui était suivi, qui avait son niveau d'influence. Et voilà, donc l'édito a grandi en même temps que Deezer a grossi. Et une des vidéos qui a bien marché dernièrement, c'est une vidéo d'un enregistrement d'un concert de Jeanne Adèle, France Musicale de Rennes, et c'est pour ça justement que je te rencontre, parce que tu es fan de cet artiste. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de bien chez elle? Alors Jeanne Adèle, ce que je trouve de bien chez elle, moi quand j'ai découvert son album, j'étais en pleine immersion de l'album de The Do, qui est un groupe que je suis depuis très longtemps, que je porte au nu, qui est pour moi un des groupes qui a le plus grand talent international. Et leur dernier album était encore ultra novateur, avec une couleur numérique que je trouvais dingue, des mélodies, une prod, c'était assez dément. Et puis, une recommandation de Marion Godard, qui travaillait chez Naïve, qui m'a dit « Tiens, on va sortir Jeanne Adèle l'année prochaine, je te connais, ce sera parfaitement ta cam. » Et elle a bien ciblé, je trouve que Jeanne Adèle, c'était un peu le côté obscur de The Do, puisque c'est Dan Levy qui était aux manettes à l'album. Et ouais, il y a un côté... J'ai l'impression qu'Olivia de The Do est un peu la muse du duo et que c'est le côté beaucoup plus obscur avec Jeanne Adèle, un côté froid, un côté cold wave, un côté punk. Elle lâche pas le morceau ni sur scène, il n'y a pas un centième de chaque mesure de ses morceaux qui soit laissé au hasard. Elle maîtrise le sujet de façon incroyable. Pendant la session, en plus, j'ai eu le plaisir de voir qu'elle était avec... Avec Norumi, je ne suis pas sûr de bien prononcer son prénom, qui est dans le trio Tristesse Contemporaine, qui apporte une élégance, mais de fou, quoi. Donc elle avec sa basse à la punk, le clavier hyper cold wave, une batterie métronomique mais hyper riche. Et puis voilà, l'album il est électro, il est pop, il est rock, il tape dans des références autant des années 80 qu'ultra contemporaines. Sur comment scène, tu nous spoil, l'album il sort que le 1er juin, on l'a pas écouté encore nous. Bah, en attendant, donc moi je vous invite à aller voir Deezer Session. Ouais, c'est assez révélateur de son niveau sur scène. Et puis, début juin approche à grands pas. Et il va falloir l'écouter sur Deezer ou ailleurs, mais il va falloir
faire manger. Et du coup, on jane directement, c'était un gros coup de cœur, ouais, ce que j'ai compris. Vraiment. Ouais. Et c'était une évidence de voter pour elle pour le prix Adami, 10h Adami. Alors, c'était un plaisir de voter pour elle. C'était une évidence, mais pas simple, parce qu'il y avait d'autres artistes parmi les 10 nominés qui m'intéressaient beaucoup, particulièrement Grand Blanc, dont l'album va sortir encore plus tard que celui de Jeanne. Mais ouais, elle est, pour moi, elle est un cran au-dessus de tous les autres dans les sorties musicales de 2015, mais qu'elle soit locale ou internationale. Ouais. C'est cool ça. Mm. T'écoutes de quoi toi généralement ? Alors moi j'écoute de tout. J'ai encore la curiosité de mes premières écoutes. Je suis toujours convaincu que quand je mets un album, ce sera le plus beau que j'ai jamais entendu. Quoi. Je suis toujours. J'ai ma petite quête du Graal, toujours et encore. Quoi. Et ça va d'absolument tout, de l'électro-rock en passant par la chanson française, le jazz, le hip-hop. J'ai, je sais pas, peut-être une tendance à un peu moins écouter le rap français, le reggae. Voilà. Mais, Et à part Jeanne et à part The Do, cette année, il y avait quoi vraiment à ne pas louper ? Alors, à ne pas louper, et l'album sort le 1er juin en même temps que Jeanne. Donc voilà, c'est la constellation qui le veut. C'est un groupe signé par Domino aux États-Unis, qui est distribué par Beggars, qui s'appelle Algiers, donc ouais. Alger en anglais. C'est dément, c'est incroyable. Hein. Je les ai fait en session, je fais de l'auto-promo. Donc elle sortira le 1er juin. On mettra les liens comme il faut. Ouais, je vous invite vraiment à le faire. C'est assez dingue. C'est de la. Le soul rock. Le chanteur est totalement épileptique sur scène. Il monte en tension de façon incroyable. Les musiciens, mais on. Je sais pas, c'est. Il y a une culture soul des années 60 avec une brutalité rock des meilleurs groupes qu'on voit sur scène. Quoi. Moi, il a fini la session à genoux en transe. Ça rappelle l'image assez cliché d'un Hendrix qui met le feu à sa guitare. Ouais. C'est pas une posture rock. Le mec était vraiment, il était vraiment dans sa transe. Il était grosso modo, pour parler de cet artiste, c'est un mélange entre Alabama Shakes et Symphony of the Broken Bones, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça se rapproche pas mal d'Alabama Shakes dans. Très bon album aussi. Superbe album, ouais, clairement. Mais dans la culture, ça s'en approche. Mais ça tape beaucoup plus large, Algiers, parce que c'est plus encore rock que soul. Quoi. D'accord, très bien. En tout cas, tu te rends compte que tu es un privilégié, tu écoutes les albums avant tout le monde, tu vois les artistes avant tout le monde, tu peux les côtoyer au quotidien. Retour vers le futur, ouais. Écouter avant tout le monde, oui, non, c'est, ça change pas grand-chose, c'est juste un petit décalage dans le temps. Et puis j'aime tellement ça, comme ça, j'ai toujours l'impression de faire mon devoir en essayant de faire de la promo en amont. Quoi. Oui. Est-ce que quelque part, tu ne te sens pas un petit peu d'avoir une mission de choisir les bons artistes pour les mettre au bon moment pour pousser au maximum ces coups de cœur que tu vas avoir, mais ça reste des coups de cœur à toi, et donc du coup tu as une capacité et un pouvoir de dire aux gens ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors je me sens missionné nullement et un pouvoir très limité. Les sélections et mises en avant que j'ai choisi de faire sont simplement faites à 90% avec une incroyable sincérité. C'est un délire d'adolescent, quoi. C'est l'ado dans sa chambre qui écoute très fort pour que ses parents ou ses frères et sœurs entendent leur musique, sa musique, malgré eux, quoi. Tu fais tout ça pour arracher tout le monde. C'est ça, non. Enfin voilà, quand j'aime une musique, j'ai vraiment envie de le faire savoir. Tu sais, je vais être un peu comme le beauf au feu rouge qui descend les vitres pour mettre le truc à fond. J'en suis pas encore là, mais. Je peux pas m'empêcher d'être redondant auprès de tout le monde dès que j'ai un coup de cœur, en les suppliant d'écouter cette sortie que je trouve phénoménale, qui va changer le quotidien. Bon bah c'est cool, on va écouter tout ça sur la chaîne YouTube de Deezer. Tout à fait. Mais aussi sur Deezer, on va écouter tous ces albums, etc. Et on va arrêter Spotify, on va même pas s'inscrire à Tidal. Et on va continuer un peu de SoundCloud avant que ça devienne payant. Je te remercie, à une prochaine. Merci. Ciao.